Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est sur un décor différent. On est en vacances en ce moment et oui, on se refuse rien, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça aussi que le débrief arrive un peu tardivement. Parce que déjà, bon, le match, je vous avais dit avant de faire les débriefs, tout ça, j'allais faire les débriefs, mais il y a moyen que je les fasse le lendemain. Bon, voilà, le temps que je me réveille, que je sors la tête de mon... Tu m'as compris. Voilà, le match en plus a été retardé hier pour ceux qui ont suivi un petit peu. Je sais pas si tout le monde a réussi à le voir. Il y a des liens en streaming et tout. Faut regarder des fois sur certains sites. Mais bon, il y a l'équipe qui l'avait diffusé pour la France, mais sauf que c'était payant. C'était pas forcément très pratique de voir ces matchs-là. C'est jamais forcément pratique. C'est dommage que le Barça le passe pas sur son application Barça One. Enfin bref, on va pas refaire épiloguer toute la soirée d'hier non plus. Mais le match a été retardé pour la météo, donc ça a retardé aussi la fin du match, tout ça, et je me sentais pas de faire le débrief juste après, c'était un peu compliqué. Puis ici, chez mes parents, tout le monde dormait, donc j'allais pas non plus hurler, tout ça, faire une vidéo, c'est pas forcément très pratique. Donc maintenant que c'est dit, hier, donc c'est joué le premier match de l'ère Flick, donc match assez important, on va dire, pour voir déjà, pour avoir un peu découvrir certaines idées, des premiers croquis, tu vois, de la nouvelle ère, du projet, tout ça. Premier match amical contre City, on avait déjà parlé des matchs amicaux, les gars, contre City, ben, c'est les grosses affiches, mais du coup, ça dit pas grand-chose non plus. Si on gagne contre City, ça veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions pendant la saison, si on se fait éclater non plus. On a vu le 11, c'était un premier 11, c'était le Barça B, concrètement, quasiment, avec quelques joueurs, Julian Alaphroaig, Langlet, Pablo Torre, et Iñaki Peña, qui fait plus trop partie du Barça B, mais pour le reste, c'était quasiment full équipe B, avec Hector Fort, avec Gérard Martin à gauche, avec Dominguez en défense. Le double pivot, on va en reparler, Marc Bernal et Casado, Pablo Torre en 10. Il y avait Vitor Roque aussi à gauche. Ouais, enfin, si pareil, il a joué. Pas au Vitor, non, ça va, je rigole, les gars, je rigole, je rigole. Calmez-vous. Paul Victor donc en pointe et à droite donc l'ailier droit en première mi-temps c'était Julian Araujo. Bon, c'était une équipe on va dire pas forcément remaniée parce que il n'y a pas eu forcément de match, c'est les premiers matchs de Flick. Mais on sait très bien que cette saison l'équipe elle va pas forcément ressembler à ça. Là on n'a pas beaucoup de joueurs disponibles. Donc là l'objectif, comme je l'ai dit avant la tournée, l'objectif c'était de voir les idées du coach. Ce qu'il avait mis un petit peu en place et un peu quelques idées, apercevoir quelques idées sur le terrain, on va dire, et de voir certains joueurs aussi, certains jeunes, qui peuvent se mettre en avant, et ça a été le cas, pour potentiellement bah, avoir une petite place en tout cas dans la rotation ou quoi pendant la saison. On va parler du double pivot du milieu de terrain, Marc Casado et Marc Bernal, le double pivot de la B la saison dernière, très très fort. Franchement, Marc Bernal a impressionné. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bon sur ce match. Alors, je vais le répéter une dernière fois, mais ça reste un match amical. Donc, on ne va pas s'enflammer, on ne va pas tirer des conclusions non plus. Bernal a fait un giga match contre City. Bon, c'était un peu une équipe remaniée aussi de City. Bernal a fait un gros match contre City. Ça veut dire que le gars, titulaire indiscutable dans la saison, bon, on ne va pas s'enflammer non plus, les gars. C'est pas l'objectif, c'est pas de tirer des conclusions dès le premier match des matchs amicaux. Tu vois, c'est même pas encore des matchs officiels, la saison ne démarre pas. Mais on peut quand même souligner l'attitude qu'il y a eu en fait chez les joueurs. On connaît l'attitude, perso, pour ceux qui ont suivi la B pendant quelques temps. Vous connaissez sûrement Marc Casado et vous savez qu'au niveau de l'attitude, au niveau du jeu sans ballon, du pressing, de l'agressivité, c'est pas ça qui manque. Mais moi j'ai eu cette impression en voyant le match que vraiment, tu avais tous les joueurs qui se donnaient à fond. Que ça soit Dominguez en défense centrale, que je ne trouve pas spécialement très bon, Gérard Martin à gauche, à même Pablo Torre s'est bien donné aussi, Pau Victor aussi a fait un gros gros match devant, on va en parler. Donc vraiment, tout le monde en fait a vraiment montré une attitude combative, tu vois, avec beaucoup d'agressivité. Et voilà, ils n'avaient pas peur d'aller aussi au contact, tout ça, et ça c'était quelque chose de positif. Donc déjà, on a vu un pressing quand le Barça n'avait pas le ballon. En général, un pressing plutôt agressif, un pressing intéressant, j'ai trouvé. Alors, ce qu'il faut aussi savoir aussi remettre en contexte, c'était que nous, c'était notre deuxième match, on va dire, de préparation. On avait eu un premier match contre Olot. Bon, c'était une équipe très faible, mais voilà. City, ils sont déjà avancés dans leur préparation. Et la comparaison avec City et le Barça, c'est que City, ils ont le même groupe, plus ou moins, la même.
ossature des types, tu vois, le même coach depuis 7-8 ans. Donc il y a une ligne directrice quand même de Pep Guardiola et son staff depuis pas mal d'années. Là, nous, on a Flick qui arrive là, avec son staff, qui met des choses en place. Ça fait un mois, quoi, à peine. C'est sûr que City était très avancé par rapport au Barça en termes de possession, que City domine par rapport au Barça, ça c'est une logique. Mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en contexte. C'est d'un côté, nous, les idées du coach, elles ne sont pas encore intégrées. Et puis, on avait une équipe B, voilà. Bon, enfin bref, on ne va pas tirer des conclusions sur le résultat, sur le contenu vraiment. Mais il y a eu des choses très intéressantes, comme je disais, par rapport au pressing. Déjà, jeu sans ballon du Barça, c'était assez intéressant. Et puis, on a eu quelques aperçus aussi de ce qu'on pouvait faire en termes de combinaison. Moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter hier, quand je tweetais pendant le match. C'est que moi, j'ai pas été surpris du niveau des joueurs de la B, de Casado, de Bernal, même de Gérard Martin, de Pau Victor. C'est des joueurs, pour ceux qui ont suivi la B, vous connaissez un petit peu le talent. Vous savez ce dont sont capables ces joueurs-là. Donc, moi, j'étais pas surpris de ça. Mais ce qui m'a surpris un petit peu, c'est qu'ils ont réussi à s'adapter et à s'adapter au nouveau coach, tu vois, d'arriver comme ça, avec une petite pression quand même, de devoir, soit t'as la pression positive, celle qui va te booster pour te montrer, voilà, pour faire essayer de rentrer dans les plans du coach, tu vois, soit t'as la pression négative où tu vas perdre tous tes moyens. Et là, la pression était plutôt positive. On a vu des patrons au milieu, Bernal, Casado, Pau Vitor devant, qui a donné sa vie, qui apprend le football matin, midi et soir à Lewandowski. On va en parler aussi de Lewandowski. Donc voilà, et puis on a senti quand même un Vitor Roque à l'ouest total, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément envie de tirer des conclusions non plus, même sur la performance des joueurs. On va leur laisser le temps de s'adapter au coach et on verra bien comment ça va se passer. Que dire sur ce match-là? Vitor Roque a été cataclysmique, que l'entrée de Lewandowski, elle est dégueulasse, que l'anglais, par moment, il était presque bon, et puis par moment, il était cataclysmique. Kinyati Peña, moi, même s'il a fait quelques arrêts, je le trouve toujours pas très serein. J'avais l'impression de voir un petit peu Ter Stegen dans les cages. Et Astralaga, quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté tous les pénaltys, quasiment. Enfin, je vous avoue que j'ai pas vu la séance de tir au but. Je suis allé me coucher, je croyais que j'avais pas capté qu'il y avait des tirs au but. Moi, je suis parti direct, j'allais m'endormir. Donc voilà, il y a des choses positives comme des choses négatives. Les choses positives, c'est de voir déjà une équipe qui est concernée, qui a envie, qui a faim. Une équipe aussi où il y a quelques petites combinaisons, comme sur le deuxième but de Pablo Torre, assez intéressantes, ou même sur certains moments en deuxième mi-temps où il y avait récupération haute et on se projette rapidement. Un jeu très vertical, on l'avait dit de toute façon quand on avait analysé Flick, mais un jeu vertical, et une fois qu'on a récupéré la balle, tu avais l'impression que tout le monde partait comme des flèches devant, et ça jouait, ça essayait de jouer assez vite en tout cas, sauf quand ça passait par Lewandowski évidemment. Donc il y a des choses positives, ça c'est tout ça, ces petits jeux-là, ces petites combinaisons, ce pressing, cette attitude, tout ça c'est positif. Les choses négatives maintenant, on va dire négatif entre guillemets, c'est que moi j'attends de voir ça, mais avec l'équipe première en fait. Moi j'attends de voir une attitude comme ça, un gros pressing, tout ça, j'attends de voir ça de la part de Frenkie de Jong. J'attends de voir ça de la part même de Gundogan, parce que Gundogan avec ballon très très bon, mais Gundogan sans ballon, on l'a vu la semaine dernière, c'est pas un pressing très intensif, c'est pas énormément d'agressivité, il n'y a pas grand-chose défensivement. Gundogan, donc on attend de voir où est-ce que va jouer Gundogan aussi. Et j'attends aussi de ça, le match de Pau Vitor, j'attends un peu la même chose de Lewandowski. C'est-à-dire que Lewandowski marque déjà, ce serait pas mal, qu'il fasse un pressing, qu'il soit concerné, que ça joue vite, que quand il faut jouer en une touche de balle, ça joue en une touche de balle, tout ça. Ça, c'est le côté, c'est pas forcément négatif, parce que pour moi, l'équipe là, elle a montré un bon visage, mais c'était l'équipe B. Et moi, je sais que l'équipe B, elle montrait tout le temps un bon visage. Elle a tout le temps plein de bonne volonté, de l'agressivité, tout ça. Les joueurs de la B, ça, je les connais. Mais les joueurs de la A, on les connaît aussi. Et c'est eux que j'attends de voir un petit peu plus près, savoir s'ils vont vraiment mettre l'agressivité que Flick demande dans les matchs. Ça, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et Lewandowski, on va finir un petit peu avec ça. On va parler aussi de quelques jeunes quand même après. Lewandowski, son entrée, elle est catastrophique. Elle est à l'image de sa fin de saison dernière, en fait. C'est-à-dire un Lewandowski que tu vois d'un coup apparaître entre les deux double pivots. Au milieu du double pivot, il arrive en 6 limite. Je peux toucher la balle? Oui, si tu veux, mais va plutôt dans la surface, s'il te plaît. Alors Lewandowski, tu nous faisais quelques déclarations. Flick, il disait que Lewandowski va être très important dans la surface adverse. Ça serait bien qu'il y soit déjà. Donc Lewandowski qui rentre, qui touche les ballons, qui ralentit le jeu. Lewandowski qui joue perso aussi. À un moment, fin de match, dernière action du match, il a le ballon,
Il y a des joueurs devant lui, il peut décaler sur la gauche, il décale pas, il frappe, il tire sur le défenseur. Voilà, c'est du grand Lewandowski. On est sur les standards de Lewandowski depuis quelques temps maintenant. Et voilà, moi j'attends énormément de Lewandowski en fait. Non pas que j'attends de lui qu'il mette 50 buts, parce que je sais que ça n'arrivera pas, mais j'attends vraiment un gros changement de Lewandowski sous Flick. Si on pouvait dire avec Xavi, ça se passe pas bien, machin, ok, bon, peut-être. Maintenant, on a changé de coach, on a Flick, et sous Flick, frère, ça a quand même été monumental au Bayern. Donc on attend un peu. Certes, il a plus le même âge, tout ça, mais déjà dans l'intention, moi c'est ce que je veux de Lewandowski, c'est une intention positive, c'est-à-dire que si tu dois lâcher ton ballon, tu lâches ton ballon, si tu dois marquer, tu vas marquer, si tu dois jouer plus vite, fluidifier le jeu, rester dans la surface. Non, non, le gars, il se centre à chaque fois et il demande le ballon et il regarde au centre et c'est lui, limite, il fait les centres. Mais bientôt, il va tirer les corners aussi. Il va faire les dégagements du gardien aussi. Lewandowski, frérot, nous fatigue pas déjà. C'est le premier match de pré-saison, il nous fatigue déjà, le type. Donc, on va se détendre un petit peu et on va finir par parler des jeunes. Alors, moi, si je dois mettre en avant certains jeunes qui m'ont plu, c'est déjà le double pivot, hein, Marc Casado, Bernal. Ça, je l'ai déjà dit, ils ont été très très forts, j'ai bien aimé. Gérard Martin à gauche aussi, sur l'action du deuxième but, je trouve intéressant, j'en parlais aussi, mais c'est pas un joueur très rapide, très offensif, tout ça, qui va se projeter, qui va dribbler, machin. C'est un latéral gauche plus tranquille, plus qui a un profil plus défensif de par son physique, de par ses qualités physiques, mais il a une bonne qualité de passe, c'est ce que je disais aussi. Que quand il est plutôt bien placé déjà, et assez intelligent dans son placement, dans son jeu sans ballon. Mais quand il est haut sur le terrain, quand il doit faire des centres, eh ben, il fait des bonnes passes. Tu vois, au lieu de centrer n'importe comment, comme on aurait pu le faire dans la surface, envoyer un vieux ballon, non, il centre en retrait, il fait une passe précise à ras de terre. Pau Vitor, qui est intelligent, qui la laisse passer pour Pablo Torre. Pablo Torre, tu fais la différence et tu marques. Gérard Martin, j'ai bien aimé, même s'il n'a pas été incroyable, mais il a été plutôt bon. Pablo Torre, intéressant. Début de match, je trouvais un peu mitigé, il loupait quelques petits trucs et tout, un peu de déchets. On va voir ce que ça va donner, mais on sait que Pablo Torre, il a un petit talent. Maintenant, il faut qu'il prenne peut-être la confiance aussi pour montrer ce qu'il a. Mais Pablo Torre, j'ai bien aimé. Pau Vitor, bon, homme du match. Je ne sais pas si c'est mérité qu'il est l'homme du match. Chacun a son avis, mais en tout cas, je l'ai trouvé très très bon. Très impressionnant. Je préfère limite qu'on mette pas au Vitor titulaire plutôt que Lewandowski. Mais c'est un autre débat. Et j'ai beaucoup aimé aussi Tony Fernandez, qui est rentré en deuxième mi-temps. Très très intéressant, le Tony Fernandez. Alex Vaillé aussi, qui est rentré. À noter quand même que certains, on peut dire, ouais, lui, il a fait un bon match, mais sans plus. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué à leur poste. Darwish, par exemple, qui jouait en 10 au début, puis après qui s'est retrouvé dans le double pivot. Alex Vaillé, qui est latéral gauche. On sait que les gauchers, ils n'ont pas forcément énormément de pieds droits. Ils se retrouvent à jouer latéral droit. Donc voilà, pas tout le monde n'a pu jouer vraiment dans son poste idéal, ce qui pourrait expliquer certaines choses. Mais en tout cas, Alex Vaillé, je l'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a montré, dans les quelques minutes qu'il a joué. Je l'ai trouvé intéressant. Donc voilà. Puis après, bon, il y a Guillaume Fernandez qui est rentré. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de trop se montrer. Darwish, ça va, intéressant. De toute façon, après, la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée parce qu'à partir du moment où tu joues à côté de Lewandowski, bah, tu sais que tu vas pas trop recevoir de ballon, tu sais qu'il va garder le ballon pendant 1000 ans et qu'on va probablement le perdre. Donc c'est un peu moins intéressant. J'ai trouvé la première mi-temps plus intéressante que la deuxième, même si en deuxième, Tony Fernandez m'a énormément plu. Tout simplement, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, j'espère que mon petit débrief de vacationnaires vous a plu. On se retrouve prochainement, probablement pour le débrief du Classico. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. À la prochaine. Ciao.